Salut à tous, on est dans le bureau de Librasic là du coup avec la session de lancer là, donc celle que je viens d'utiliser là pour faire le morceau qui est passé. Donc là ben, j'ai dans la session donc j'ai les 5 instances de drum KV1 qui me servent à faire tout ce qui est percussion, le rythme, tout ça. Après j'ai Zina Tube FX qui me sert à faire le synthé rythmique. J'ai donc Ardour, on le verra après en premier. Donc c'est plutôt Q-Tractor en fait. Donc j'utilise là pour faire tout ce qui est séquençage MIDI. Enfin dans ce morceau-là en tout cas. Parce que bon là, pour faire ce genre de truc là, il est hyper simple à utiliser. Donc voilà, c'est facile de s'organiser, de créer très vite des séquences MIDI là dans celui-là. Ensuite là je me suis servi aussi pour séquencer de l'audio là. Donc là par exemple ça c'est une piste de percu. Ensuite là il y a des samples aussi, ça c'est des samples de Looperman, ça aussi. Là il y a un autre sample. Voilà celui-là que j'ai redécoupé un peu dans tous les sens pour refaire du rythme avec. D'ailleurs les miens aussi je les ai redécoupés un peu de partout pour recréer des rythmes différents. Après je m'en suis aussi servi là, pour gérer les automations là qu'on voit là, tout ça, c'est des automations de volume là principalement, enfin uniquement d'ailleurs, j'ai pas utilisé d'automation d'autres choses. Après tout ce qui est fait en live, c'est l'envoi dans les effets des différentes pistes quoi. Donc ça je le fais avec le contrôleur MIDI qu'il y a là. Tout ce qui est cutoff, modulation, tout ça sur les synthés que je fais avec ce contrôleur MIDI là. Bon, il n'y a pas tous les potards qui sont assignés, il n'y en a qu'une partie. Sur l'autre, il y a tout qui est assigné. Alors ensuite, on va aller voir. Donc il y a Carla dans la session. Donc là, Carla, je m'en sers pour faire tout le routing, toutes les connexions. Que ce soit du MIDI, de l'audio, voilà. Donc tout le MIDI en rouge, tout l'audio en bleu. Donc là, le MIDI sort par Q-Tractor dans le canal master. Après, il est séparé là, avec MIDI Split. Et je le renvoie directement donc, dans les synthés. Enfin, que je cible quoi. Donc du coup là, donc on a bien les drums KV1 qui apparaissent, ceux-là ils sont en standalone. Zynatube aussi qui est en standalone. Après donc on a comme Greffon qui sont hébergés dans Carla, il y a Surge. Avec donc le preset là de base que j'ai fait pour ce morceau. Là, bah, il passe dans une gate hein, qui est déclenchée par là par le kick dans le sidechain. Alors, ouais, moi j'aime bien faire ça dans Carla parce que là c'est assez visuel, on comprend tout à fait comment ça marche assez facilement. Au besoin, en plus d'un Carla, on peut intercaler par exemple un greffon de filtre pour bien cibler. La fréquence qu'on veut qui déclenche la gate, ça peut être pas mal. Là, j'en ai pas eu besoin, là, ça marchait bien juste avec le kick, mais bon, ça m'est souvent arrivé de devoir faire ça. Alors ensuite, il y a une fiche qui fait un synthé qui suit la basse, c'est la même séquence hein, qui a été copiée d'ailleurs, qui passe aussi dans une autre gate, pareil. Là, il y a un orgue, cette Bifrit, un nouvel orgue. Noisemaker, voilà, comme celui-là qui fait un synthé LED. Passe dans un filtre, lui, je l'ai repassé dans un filtre parce que le filtre il est automatisé par l'enveloppe et du coup je voulais quand même pouvoir le filtrer en live. Et là c'est pour ça que j'ai rajouté Calfilter qui est là. Ensuite il y a Zebralette. Donc ça c'est un truc que j'ai installé, ça fait pas partie de Librasic. C'est pas un logiciel libre. Il est gratuit mais pas libre. Mais il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Black Pearl. Voilà, le truc de batterie, ça je m'en suis servi pour les breaks là, parce que ça rend quand même pas mal quoi. Franchement, il sonne bien ce truc.
Ensuite, il y a Podolski. Donc ça vient du même auteur que Zebralette. Donc c'est pareil, il n'est pas libre, il fait pas partie de Librasic. Mais il est gratuit et pas mal, franchement, je m'en sers souvent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, après, on a le gros bloc d'Ardour. Là, on va aller voir Ardour après, vite fait. Et là, il y a un autre truc. Et ça, je le ferai voir après. Cela est un truc un peu particulier que j'ai fait ici, là. Je le ferai voir après, ça. Donc après, donc la suite logique du chemin du son, donc c'est que là après ça rentre dans Ardour. Donc dans Ardour, la console que j'ai principalement utilisé la console d'Ardour dans ce morceau-là pour tout mixer. Donc là j'ai mis tous les traitements, bon il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même pas mal quoi. Donc j'ai mis tous les traitements de pistes, que ce soit des compresseurs, des filtres et autres. Je l'ai fait dans Ardour, ça. Du coup, là, il y a quand même pas mal de pistes en fait à la fin, quoi. Ouais, c'est un assez gros projet quand même. Voilà quoi. Donc, principalement, je l'ai utilisé pour ça, Ardour, là, donc pour faire le mix. Dans l'éditeur. Donc là aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait tout mon mix, que j'ai fini mon morceau qui me plaisait, je l'ai enregistré entièrement en multipiste et je l'ai exporté aussi en multipiste pour garder une trace, ce que je peux réutiliser plus tard, si j'ai envie de le remixer ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça j'ai enregistré après, je l'ai fait il n'y a pas longtemps ça. Et autrement, par contre, juste piste master là, en fait, j'ai renvoyé le général. Là, le général, je l'ai déconnecté des sorties de ma carte son et je l'ai envoyé dans cette piste master. Et cette piste master, j'ai connecté sa sortie dans ma carte son, ce qui fait que le général il passe par la piste master. Et j'ai fait ça parce qu'en fait on peut pas enregistrer directement le général là ici. Et moi quand j'ai fait mon mix en live, en fait j'ai juste enregistré le master entièrement quoi. J'ai pas enregistré multipiste en live quoi. J'ai enregistré juste le master. C'est pour ça que je suis passé par cette piste là. Du coup ça a pas mal marché parce que dans les autres fois j'utilisais Rekjok, mais bon, ça fait quand même un logiciel de plus à gérer à chaque fois. Donc là, bon, je l'ai passé dans cette piste et ça a bien fonctionné. Donc après, donc ça m'a donné un fichier stéréo là que bah, je l'ai retiré de la session parce que j'avais pas envie de le garder et je m'en suis servi après bah, pour le coller sur la vidéo que vous avez vu juste avant quoi. Voilà, donc après, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Ardour. Si on pourrait essayer un truc, on revenir dans la console. Ah, je vais désactiver tous les traitements. On va écouter ce que ça donne sans les traitements. Et après, je vais les réactiver comme ça pourra faire voir hein, s'il y a une réelle différence ou quoi. Alors, bon, ça risque de prendre un peu de temps parce que je sais pas s'il y a une fonction d'Ardour pour désactiver tous les greffons. En tout cas, pour l'instant, je la connais pas. Alors, du coup, je vais sûrement couper la vidéo le temps que je désactive. Donc là, j'ai désactivé tout ce qui est traitement. J'ai laissé les départs là parce qu'il y a des départs auxiliaires qui renvoient dans les délais et réverbes qui sont soit, selon les cas, je les ai hébergés soit dans des pistes d'Ardour, soit sinon, il y a aussi certainement des effets dans Carla. Je crois pas là cette fois là. Je pense que les effets ils sont tous hébergés dans Ardour, à part ça, là, ça c'est un effet que j'ai fait. Et après j'en ai aussi qui sont en auxiliaire à l'extérieur. Là j'ai un truc là, je sais pas si on peut le voir. C'est une pédale qui me sert de délai quoi. Et du coup je renvoie le son dans la pédale et après il re-rentre dans Ardour. Alors on va l'écouter. Ça. Alors. Risque de faire du bruit. Attends, je vais pas le mettre. Je vais le mettre sur une partie comme ça, là, ici. Allez.
Voilà, là tous les effets ils étaient désactivés, enfin tous les traitements étaient désactivés. Alors, je les réactive. Go pareil, je vais faire une coupure dans la vidéo. J'essaie de pas en oublier. Ah, ça y est, je les ai tous réactivés. Alors, on va voir ça. On va revenir. Pareil, je vais revenir dans. Ça. Remettre au même endroit. Hop. Voilà. Donc du coup, je sais pas si avec l'enregistrement comme ça, avec l'encodage, on peut bien capter la différence. Bon, moi, je l'entends bien. Mais après, en même temps, je connais bien le morceau. Alors bon, peut-être, je suis peut-être pas trop bien placé pour juger en fait. D'ailleurs, c'est bien hein, parce que bon, si vous avez trouvé que ça sonnait mal, au moins vous saurez ce qu'il faut pas faire. Alors. Donc revenons. Ah oui, je voulais faire voir juste un truc donc c'était d'accord là. Après, je fais rien voir de plus. Donc ce truc là, toute cette, on va dire, toute cette greffonnerie là, c'est un délai. Ouais, c'est un délai que j'ai fabriqué à partir de plusieurs greffons là. Donc j'ai utilisé No Delay Line et Micro Delay Line. C'est juste des plugins de compensation de la latence principalement. Alors soit No Delay Line c'est une compensation longue et Micro Delay Line c'est une compensation très courte. Et en fait ceux-là ils font pas vraiment un délai quoi. Il y a juste un retard. Ils n'ont pas de feedback. Donc voilà. Et je m'en suis servi avec ça là, Matrix Mixer. Donc du coup, le signal il rentre sec quoi dans l'entrée 1 et l'entrée 2. Donc ça fait canal gauche et canal droit finalement. Le canal 1 qui est le gauche, je pense, rentre dans le délai long. Le canal 2, après, voilà, il repart dans le délai court. Donc là, ça ressort avec un retard. Donc celui-là, chacun de ces greffons, je les ai renvoyés, qu'on le voit ici, tac, je les ai renvoyés dans un equalizer. Donc pareil, il reste gauche et droite, il reste séparé. Enfin, ça fait un délai différent sur chaque côté. Donc là, il rentre dans un equalizer. Donc là, c'est le retard qui rentre dans l'equalizer. Donc lui, je lui fais un genre de bandpass, on va dire ça comme ça, un peu large, qui va venir tronquer pas mal les fréquences. Voilà. Et ensuite, après le filtre, il rentre dans une petite distorsion. Et ils repartent dans le mixeur. Comme ça. Donc une fois qu'ils ont été filtrés. Et là, dans le mixeur ici. On va pouvoir créer le feedback en renvoyant chaque délai dans la sortie qui le remet dans le délai quoi, en fait. Ouais. Du coup, ça crée un feedback. Et la sortie générale de tout ça, histoire de donner un petit peu de cachet au son, je sais pas comment dire, enfin, dire, pour colorer un petit peu le son, j'ai mis une réverbe très discrète, un peu spéciale, la Tab Reverberator. En sortie, donc du coup ça crée voilà, ça crée un délai, on va dire que théoriquement il doit être assez original. Je vais le faire écouter. Enfin, somme toute, en fait, il n'est pas vraiment très original, mais bon, il sonne pas mal. Donc je vais aller mettre une piste en solo pour le faire écouter. Je vais le faire écouter sur le synthé parce qu'il est beaucoup sur le synthé. Alors. Sur le synthé, rendait pas mal. On va le mettre aussi sur la caisse claire. Donc la caisse claire, c'est deux pistes parce qu'il y a deux sons de caisse claire superposés pour créer la caisse claire.
Je pense que là, il doit par là, il doit y avoir de la caisse claire. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé. Ouais, voilà. Ouais, donc du coup, pour un délai bricolé comme ça, finalement, je trouvais qu'il sonnait pas mal et il s'intégrait bien dans le morceau en plus. Enfin, moi, ça me plaisait en tout cas. Et d'ailleurs, voilà, ça peut-être je le ferai voir bien en détail dans une vidéo là, comment le faire, parce que là, ça doit pas être très clair. En tout cas, on peut le faire, quoi. Allez, voilà. Donc, moi, je vais rien ajouter de plus. Dans cette vidéo, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Et moi, je me suis mis un petit effet là quand même, faut bien. Allez, Ciao, ciao! ciao, ciao, ciao.